Bonjour, je m'appelle Emmanuel Coste, je suis architecte et je dirige l'agence Coste Architecture qui est l'architecte du projet du centre aquatique de Saint-Nazaire sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Étape importante du chantier, on est actuellement sur le toit des vestiaires collectifs. Donc on voit que les premiers bâtiments commencent à sortir de terre. Jusqu'à maintenant, on a travaillé pendant des mois en sous-sol. On a créé toutes les infrastructures avec les voiles des bassins, les locaux techniques qui vont servir à accueillir toute la partie technologique de la piscine, la filtration, le traitement d'air. Étape importante aujourd'hui, la pose des premiers poteaux laminaires BFUP. Donc le BFUP, c'est le béton fibré ultra haute performance, qui est une prouesse technique sur chantier et une première mondiale. Le poteau gris qui est derrière moi a été réalisé à partir de la maquette numérique, a été moulé et ils sont posés sur le chantier. Ils vont servir à recevoir et à porter la charpente de la couverture qui va être installée à partir du mois de septembre. Donc en septembre, on pourra s'attendre à voir vraiment le bâtiment dans sa volumétrie finale avec les premiers éléments de charpente.